permis aujourd'hui sur une autre intervention dans la rue. On nous a envoyé une photo comme quoi il y a un regard qui était en train de gicler énormément d'eau, donc là l'eau il a descendu énormément. Donc nous, le problème c'est que là-bas le PE il s'est déboîté. Et alors ce qu'on va faire, on va ouvrir le raccord, on va regarder ce qu'il y a à l'intérieur. Si le bagageon est à l'intérieur, tant mieux, on peut le réparer le même. S'il n'est pas à l'intérieur, là c'est foutu. Mais avant c'était une arrivée. Voilà, c'était là. Là, celle-là a été supprimée, ils l'ont rajouté, voilà, des compteurs. Vous voyez le thé où ça s'est déboîté, donc ça c'est neuf. Donc je pense que c'est la lente. Le joint il est toujours à l'intérieur les amis, ça tombe bien, génial. Voilà, je prends ma bague et ma joint noire elle est à l'intérieur. Donc je récupère le joint. Donc encore au début ça va parce que t'as un temps, on va dire, t'as une trentaine de jours, ça arrive, tu prends des gamins, là, ça fait grand chose. Ouais, c'est quoi, la bague il l'a lâché, on sait pas du tout. Moi je te déranger, mais après il y a des neuf ans, et puis le gamin qui rentre du coup, et tout, ou à l'efficace. Ouais, mais une corde de frein, un accord et tout, mais il aurait pu y aller au bout, c'est super bon. Le gamin il a fait, il s'est mis en place. Il met le raccord ou il fait un... Alors il regarde s'il y a le joint dedans, parce que j'ai appelé madame Adam ce matin, il veut nous mettre un truc, elle me dit non, c'est sur l'ancien, mais c'est... C'est sur l'ancien que ça a cassé, mais c'est sur les raccords qu'ils nous ont fait il y a deux ans. De ce côté, il y a un là, comme le raccord il a lâché les amis, donc je mets un peu de filasse. Ouais, bah moi j'ai fait pareil. Alors la vague elle était bien mise. Donc, faut juste qu'on regarde un petit peu si elle est en bon état. On peut le récupérer, on peut le mettre, même celle-là. Voilà. Là, c'est simple. On met un peu de colmat. Christian, il dit aussi, il doit être par là, donc il a mis le bras dedans jusque-là. Il a fermé. Faites attention, les amis, il faut que le raccord il soit sec, 100%. Ou un peu plus tard, je sais pas. Ça se trouve, ça arrive à 6h, c'est le temps que ça remplisse la cavité. Oh, bah, ça va vite, hein. Non, mais c'est pas ça, c'est bien, hein. Comme t'as la terre en dessous. Ça, ça mène, donc ça peut être en. Tu n'as été avec nous. Oui, il y a un calvaire. Vous allez avoir tout le cardiaque. Vous allez baigner là. C'est un rapport avec l'eau. Ouais. Les pressions que Veolia met sur les tuyaux. Pour aller le. Christian est en vacances. Il était du côté de Pierre Ferrand, on l'a appelé. Il s'est fait Regardez les amis, j'ai attaché le tube avec le pansetto et j'ai mis une cale, un PVC, un bout de PVC. Juste l'histoire que ça tient. Après je vais essayer de mettre un collier. Parce que je trouve ça pas normal qu'ils n'ont pas mis le collier. Ils auraient dû mettre au moins un collier, minimum.
Donc là, cet endroit-là, là j'ai mis de l'eau en route, ça fonctionne parfaitement, pour le moment il n'y a aucun problème. D'après ce que je vois, un raccord qui est là-bas, ce raccord avec la vanne d'arrêt, il va dans le jardin. Et je ne sais pas pourquoi il sort dans le jardin, il y a de l'eau qui se gicle à l'extérieur. Oui. Je vais essayer d'appeler Edith.